Hey, salut les nénettes et salut les gars! Ouais, sinon je peux dire gonzesse aussi, c'est comme vous voulez. Gonzesse et gars, oui, c'est vrai que c'est, ça va ensemble, les nénettes, ce serait les nanars. Salut les nénettes et salut les nanars. On y est. Le tirage au sort du Coralie Radix, équipé de son électrique, sauf la radio, parce que la radio qui est avec n'est pas un cadeau pour piloter un machin aussi performant. Pour participer à cette tombola, il fallait répondre à une question relativement simple pour laquelle il suffisait de voir la vidéo unboxing et la vidéo de démontage. Et oui, une vidéo de démontage, encore une, il y en a des milliers sur la chaîne, du Coralie Chronos V1, et me donner ce que je reprochais au Coralie Chronos V1. Les plastiques, beaucoup trop souples. Les pièces V2 ont évolué, elles ont plus de matière, mais elles sont toujours dans le même plastique. Et en dessous de 10 degrés, ce plastique a un gros problème, ça ne va pas. En dessous de 15 avec du vent, c'est pareil. Pour mon expérience, j'ai fait des vidéos avec 0 à 2 degrés. Vous avez clairement vu le chrono exploser, alors que le Traxxas Max, no problemo. Roulement à billes, que j'avais reçu dans le Chronos V1, rouillé et avec des flasques, avec des endroits manquants, donc ouverts. Étagement de transmission, qui était pas bon du tout au départ. C'est mieux maintenant sur Chronos et Dementor, enfin tous les engins avec des grosses roues. Il y a une couronne plus grande de 52, donc tout le diff a été rehaussé, il y a deux cales en dessous. Si vous voulez installer la couronne de 52, pensez à rehausser un peu le diff, sinon forcément ça va frotter le châssis. Mais toujours le pignon de 13, c'est toujours trop. Je vous conseille vraiment de mettre le pignon de 11 si vous voulez profiter comme il faut de la machine. C'est clair. La radio, ça c'est certain. Et ce qu'on a vu après l'utilisation, donc noix de cardan et axe de cardan qui se bouffe. Les coupelles d'en base ici de suspension plastique qui peuvent craquer, donc fuite d'huile, c'est fini, t'es en panne. Avec les plastiques V2, ça se passe mieux. On avait aussi les biellettes d'ailleurs qui étaient tordues très rapidement. Donc là maintenant avec les plastiques, tout ça, ça va mieux. Débattement de suspension à l'avant un peu trop court. À l'arrière, on a beaucoup de place pour mettre des amorteaux beaucoup plus longs. Point de vue angle des cardans, ça passe aussi encore un petit bout. Mais on est limité par la longueur des suspettes. Ça suffit, évidemment, il n'y a pas de problème. On aurait aimé un petit peu plus long à l'avant. Mais ça, c'est des détails. À la conduite, après, c'est avéré être donc très brutal. Et surtout avec la radio, très délicat sur les freins. Au changement, l'étagement de transmission, ça allait beaucoup mieux. Le V2 se comporte beaucoup mieux du fait que les plastiques sont un peu moins souples. On plie aussi moins les cardans, parce que ça c'est un problème qu'on avait sur le V1. Flexion des triangles égale flexion des cardans. Le triangle plastique revient, le cardan ne revenait pas. Donc sur un run dans le jardin, on a vrillé 5 cardans sur 6, ce qui est quand même balèze. Et on n'y était pas les fois, on était en 4S. Sur le V2, on a toujours ce genre de soucis. Sur les cardans arrière, spécialement évidemment, ces soucis sont plus marqués sur la gamme avec les grosses roues, donc Chronos, Dementor, Jambon, je sais pas quoi tort, la nouvelle version qu'ils ont fait, à cause des gros pneus, surtout justement sur la version Jambo et son homologue long, avec ces nouveaux pneus, ces gros pneus Coralie qui sont trop lourds. Ça, c'était le bon choix des anciens pneus qui étaient beaucoup plus légers, beaucoup de flexion sur ces pièces. Donc encore quelques soucis à ce niveau-là. Et on avait même constaté sur le Jumbo, après un essai en 4S et un essai en 6, une usure de la noix côté roue ici. L'axe de cardan, la noix est plus grande en diamètre, il y a plus de matière, mais l'axe de cardan reste à la même longueur. Résultat, il tourne à l'intérieur, il commence à entailler la matière, donc il ne repose pas sur plus de matière, il repose sur exactement la même surface. Et ça s'est taillé dedans. Donc pour moi, la série Coralie n'est pas encore au point pour le bash. Toujours. Alors le prix correspond avec ce que tu as, puisqu'on est dans les 530-560 euros. Les armas sont devenus nettement plus chers. Donc ça va, mais on n'est pas encore
on n'est pas à l'équivalence des on est, on va dire, sur du V3 chez Arma pour l'instant. On n'est pas encore arrivé V4, V5. Ça va venir. Mais je vais patienter. Pour l'instant, moi, j'attends. Je laisse Coralie de côté. On va attendre l'évolution, les prochaines séries, peut-être un an ou deux, pour avoir des modèles qui correspondent à ce que j'ai envie de faire avec mes modèles, par rapport à ce que j'avais déjà, à ce que je demande à mes modèles. Beaucoup d'entre vous, évidemment, seront contents avec ces modèles, c'est certain. Avantage Coralie, toujours, dispo des pièces. Le SAV qui est présent. Là, j'y pense parce que je le vois. Ce que je ne suis pas fan non plus, c'est les cales partout. T'as une cale plastique, une rondelle, un truc, un bidule. Il y a du calage de partout et c'est trop. Moi, ce qui m'est arrivé donc sur un saut qui n'était pas super violent, ça faisait pas plus de 2 mètres en fait. Même si on atterrit fort à sec, on atterrit sur les 4 roues à plat. On a le porte-fusée qui s'est éclaté en deux. Et je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. On a arraché des triangles sur le chronos. On a arraché même du capuchon d'un morteau. Mais c'est un V1 encore que j'ai. Donc voilà, donc pour moi, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai reçu gratuitement cette machine de la part de Coralie sans la moindre demande de faire quoi que ce soit en échange. Hein, c'est pas tous les jours non plus qu'un constructeur fait ça. J'ai reçu la machine avec un pneu à l'envers, pas très grave, on l'a décollé, on l'a recollé. Ils étaient prêts à en envoyer une paire en plus pour que ce soit dans le bon sens. Il faut pas exagérer, on a déjà reçu la machine, on va pas encore tirer sur l'ambulance quand même. Et puis même si je l'avais payé, je jure, c'était pas une grosse affaire de décoller et recoller un pneu. C'est des choses qui arrivent. Vous avez vu, même sur les Louises, on a déballé les Louises, on avait le même problème avec la quantité de production, avec les retards qu'il y a eu, avec le virus, tout ça. Il y a tout qui s'est mis méli-mélo, ça s'est accéléré. Il y a eu du mélange, des trucs. Voilà. Je n'en veux à personne pour ce genre de choses. On a donc une centaine de participants qui ont répondu correctement, qui ont mis toute la liste de ce qu'il fallait. Il y en a qui se sont donné énormément de mal, qui m'ont fait une liste malade. Vraiment, tout dans le détail. Il y en a un surtout qui a fait un travail d'analyse, mais alors au niveau professionnel. Il a décortiqué toutes les vidéos sur le sujet et tout a été noté point par point par point. Vraiment, gros travail, gros travail. C'est clair. Mais moi, j'avais envie de laisser la chance à plusieurs personnes. Sinon, que c'est vrai que, vu le travail fourni, et le mal qu'il s'est donné, et qu'en plus, il a mis totalement, absolument, dans le mille sur toute la ligne, il y a évidemment des gens qui avaient oublié 2-3 trucs. Comme toujours, j'ai donné un petit coup de pouce, vous le savez, je peux pas m'en empêcher. J'aime pas laisser les gens de côté juste parce qu'ils ont voulu faire trop vite ou rater un petit truc. Et point très important maintenant qui arrive, c'est que pas beaucoup de monde a tilté sur le fait que j'avais dit que la tombola rase s'arrêtera le 30 février. 30 février n'existe pas, ce qui fait que ça n'arrivera jamais. Vous n'aurez pas mon Coralie Radix. C'est une blague. Évidemment, je vais vous filer. Débarrassez-moi de ce truc. Je suis quand même un grand ménard parce que Coralie a des prix préférentiels pour les youtubeurs qui font la demande. Moi, j'ai rien demandé et je l'ai reçu gratuitement. C'est pour ça que vous tous, les abonnés, allez en profiter. Si vous estimez que vous devriez avoir la radio avec, alors ne jouez pas, tant pis pour vous, je pense que vous pourrez avoir une petite radio. Une Dumbo RC, ça vaut 20 €. La radio d'origine, on va utiliser pour la voiture d'une tombola, pour un petit, un truc d'un engin pas trop rapide ou assez léger avec des petits trous, où c'est pas trop grave si la précision de frein est un peu manquante. Mais sur ce genre d'engin, avec ce genre de puissance, c'est pas sympa. Donc moi, je l'ai roulé une fois en 4 et une fois en 6, c'est tout. L'engin est propre. On a quelques petites rayures, on n'a rien dedans. Je l'ai nettoyé évidemment, il n'est pas rouillé, on l'a huilé, on l'a traité au rénovateur plastique extérieur et il est prêt. C'est Gigi qui a écrit les tickets pour que ce soit lisible. Évidemment, on a tout le monde, hein. Tu vois, alors t'en fais pas, il n'y a pas des tickets blancs, c'est juste que c'est de l'autre côté. Blanc juste, t'as fait le lien. Et pourquoi je suis aussi jovial? Parce que je suis toujours jovial en général. Et surtout parce que je vais faire un heureux, bien sûr, je vais faire
99 ou 98 moins heureux. Même si je sais que la plupart de ces gens-là seront heureux pour le gagnant aussi. Donc j'invite à ceux qui sont pas contents et qui vont être un peu « pourquoi c'est pas moi qui ai gagné ?» de rigoler quand même. Hein. Et surtout parce que je fais cette vidéo le lendemain d'un week-end où le fruit du chêne nous a encore fait un paquet de fou rire ce week-end. Des moments mémorables, inoubliables. Et même s'ils ont été effacés, ils sont inoubliables quand même. Magnifique. Magnifique. Évidemment, l'autoproclamé ambassadeur Coralie, autoproclamé roi, autoproclamé etc. etc. Grandiose. Moi je me régale. Je me régale. C'est génial. On va utiliser pour ça ceci. La voiture est rouge, nous allons donc utiliser un crâne rouge. Ceci m'a été offert par un tonton qui est venu se déplacer ici, exprès, pour m'amener ces choses-là. On a reçu de lui certaines choses imprimées en 3D. Et ce tonton est prié de me contacter parce qu'il a un bug sur un de ses variateurs. Je lui ai commandé un variateur. Ceci, c'est que je n'ai plus le mail. Je ne sais plus qui tu étais, tonton. Enfin, j'ai ton prénom, mais je ne trouve plus ton mail. Donc, je ne peux pas te prévenir que j'ai reçu ton variateur. Donc, j'ai reçu ton variateur. S'il te plaît, contacte-moi. Et si possible, si tu peux repasser, évidemment, si tu peux passer par ici, qu'on t'installe ton variateur pour te mettre en route, ce sera avec grand plaisir, évidemment, que tu seras accueilli ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6 et 7, et 8 et 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, plus ceux qui sont restés collés ensemble. Ça arrive. Et donc comme d'habitude, rien dans la bouche, rien dans les manches, rien dans le cul, enfin pas de la sorte. Et on va essayer de ne pas se faire piéger par un truc. Regarde, il y en a qui restent accrochés en bas, ça c'est pas cool. Voilà. Hein. Je tiens à préciser que tout le monde avait le droit de participer. RC Jam Jam, RC Patapouf, tout le monde, puisque c'était un jeu avec une question. Et d'ailleurs, même si c'est un jeu participatif où il suffit de m'écrire « je participe », tout le monde peut participer aussi. Il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de raison que quelqu'un ne puisse pas jouer. Alors, je viens d'en perdre un. Je t'ai remis. Tout va bien, t'inquiète pas. Je vais rester là sagement. La fripouille n'a pas joué. Quand même, il a dit « ouais, bon, après, voilà, moi je suis toujours avec toi, après, ça va jaser ». Évidemment, dans les abos, je sais très bien que personne, d'ailleurs aussi Pascal Zabo est aussi là, personne ne va râler si quelqu'un comme Patapouf gagne, hein, parce qu'il y participe à tous les jeux, il se donne du mal. Et d'ailleurs, il a galéré aussi un petit peu à trouver toute la liste, hein, faut pas croire. Hein. Mais voilà. Et comment que je vais faire? Alors, je pourrais me les lancer dessus, et celui qui reste collé dans ma bouche pourrait être le gagnant.
Ouais, mais si je l'avale, on ne saura pas qui c'était. Et s'il y en a trois collés dedans, on ne sera pas avancé non plus. Donc je vais mettre par là, je vais regarder, je vais laisser mes mains devant. Hein. Voilà, on a tout le monde. Je t'en prends un au hasard au milieu. Vous êtes prêts? Non, lui, j'ai pas envie qu'il gagne. Suivant. Alors, faut le savoir, on a mis les noms de famille, on a simplifié les noms, hein, mais évidemment, je sais très bien qui c'est, pour dire que je connais quand même un petit peu à force mes abos. Et le gagnant du Corali Radix, donc je te rappelle qu'il te faut une radio, serre les roues aussi, hein, contrôle, contrôle, c'est moi qui ai mis les roues après le nettoyage, vaut mieux contrôler. Et Monsieur Grasser, qui s'appelle normalement Sébastien, donc c'est toi Mokiki qui a gagné le Corali Radix. C'est pas une farce. Il est à toi. Je vais te contacter par mail. Évidemment. Je vais laisser tous ces tickets là-dedans parce que si tu n'en veux plus, si tu ne réponds pas dans le délai d'une semaine après la sortie de la vidéo, eh ben, on continuera la tombola et ce sera au suivant. Aussi simple que ça. Voilà. Ouais. Je sais, j'aurais pu faire des trucs fabuleux et délurants, mais, j'ai toujours la migraine. Donc, hein, on fait ce qu'on peut. N'empêche que moi, je suis content, parce que Sébastien, je crois que ça fait aussi très longtemps qu'il est abonné. Il y a aussi des abonnés récents qui ont joué, hein, y en a vraiment qui sont donné beaucoup de mal pour réussir à tout trouver. Et maintenant, je vais switcher à l'allemand, parce que les Allemands aussi ont joué, les gars. Donc, je... félicite encore une fois le gagnant et n'oubliez pas, participez à tous les jeux concours, il n'y a pas de limite, vous pouvez gagner plusieurs véhicules l'un après l'autre si vous avez suffisamment de chance. Alors ça ne me regarde pas du tout et ça me fera plaisir. Évidemment, le jeu concours du X-Max arrive. J'attendais les derniers et c'est fait. Les derniers ont trouvé et maintenant on va pouvoir mettre en place le jeu pour le X-Max. Après, peut-être que j'aurais envie de mettre une dernière chicane. Salut les gonzesses, c'est salut les gonzes. Et comme dit, je switch à l'allemand. Hallo Jungs, so. Heute sind wir da für den Corali Radix. Um den zu gewinnen, musst du einfach mir schreiben, nachdem du das Unboxing vom Kronos V1 angeguckt hattest und die Demontage, die zwei Videos, und von denen alles aufschreiben, was ich daran gemotzt habe, was da alles an der V1 nicht gut war für mich, so gerade direkt am ersten Ursprung, was sich dann so entwickelt hat, dass ich recht hatte, einmal passiert im Leben, es war dieses Mal, dass ich auf der ganzen Linie recht hatte und was alles Corali korrigiert hat. Also es waren hauptsächlich mal die Kunststoff, die zu weich waren, das brachte dazu, dass die Wellen sich verbieten bei dem Fahren, selbst schon bei 4S, waren nach der Fahrt 4 oder 5 Wellen auf 6 krumm, weil die Kunststoff sind zurückgekommen, natürlich die Wellen nicht. Ich hatte auch gesagt, gerade in der ersten Fahrt, dass die die Diffnüsse und die Härte von dem Stahl, von den Diffnüsse mit den Antriebswellen nicht stimmt, dass da was schräg geht. War auch so, nach 6 Fahrten waren die Nüsse schon eingeschnitten, nach 10 heftig. Und das auch haben sie ersetzt. Die Lager waren rostig, nicht vollwasserdicht. Ich hatte ein paar Lager, wo Stückchen vom Gummi fehlten. Das war natürlich falsch. Es wurde auch ersetzt. Die Übersetzung war nicht richtig, ist immer noch von mir aus zu groß. Selbst auf den Autos mit den schweren Rädern mit 52er Hauptritzel ist eine 11er Ritzel wirklich besser da drin. Es ist zu viel Power vorhanden aus der Schachtel. Das Ding wird natürlich im Sommer warm, du kriegst den Topspeed nicht hin, gerade mit den neuen schweren Reifen vom Jumbo und vom neuen Dings, da die sie gemacht haben, den gelb und schwarzen. Die Reifen sind zu schwer, zu massiv, das geht dem Auto nicht. Wir haben immer noch zu viel Flex am Chassis, die Heckwelle verbiegt sich an den langen Chassis, selbst an den kurzen Chassis. Ich habe ja den Jumbo probiert, die Welle ist bei den ersten Sprüngen schon krumm geworden, weil wir zu viel Flex haben. Die Kunststoffkapseln hier knallen, das Öl kommt raus. Corali hat natürlich vieles gemacht, aber für mich ist es immer noch nicht, was ich möchte. Für den Preis stimmt's. Die Elektronik ist klar hammert, die Reifen sind gut bei denen, die Dämpfer sind gut, selbst das ist eine Kleinigkeit. Ich hatte das Problem nicht.
Die Wellen müssen, sind jetzt besser geworden, aber selbst auf dem Jumbo hatten wir gesehen, dass nach einer Fahrt 4s, einer Fahrt 6s, dass die Nüsse Räderseite wegen den schweren Reifen schon eingeschnitten war, weil der Stift zu kurz ist. Wir haben nicht mehr, die Nüsse hat mehr Material dran, ist größer im Durchmesser, aber der Stift ist so lang wie der alte Stift und dreht und schafft sich ihn dadurch mit der Zeit. Das wird passieren, kann ich euch garantieren. Also für mich, ich warte jetzt einfach mal ein bis zwei Jahre. Mal sehen, wie Corrali vorwärts macht, bis ich wieder meinen Corrali kaufe. Weil ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Haben vorwärts gemacht, wie gesagt, mir reicht es noch nicht. Die sind jetzt auf dem Punkt, sagen wir, vom V3 Armer, aber noch nicht V4, V5. Fehlen noch ein paar Sachen, es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel, es ist eine Kleinigkeit, das kommt. Lassen wir sie kommen, die sind ja noch jung. Hauptsache sind die Kunststoffe, die haben sie dicker gemacht, fetter, aber die Mischung ist immer noch nicht das genau, was wir brauchen. Ihr werdet kein Problem im Sommer haben, unter 10 Grad, aber es ist ein Problem und ich bin nicht der Einzige, der die Radnabe in zwei gespaltet hat, also der Radnabeträger hat sich gerade gespaltet auf einen 2 Meter Sprung. Die Landung war auf 4 Räder, klar auf der Terrasse, aber das habe ich mit vielen anderen Autos gemacht und viel schlimmer. War vielleicht ein Materialfehler oder so, ist kein Problem. Am Kronos habe ich die V2 Armen drauf, habe so ein 2 oder 3 zerrissen, der Flügelhalter V2 zerrissen, aber es war kalt. Habe auch gefahren, wo es ein bisschen wärmer war. Das Problem war immer noch da, also für mich, für was ich mache mit den Autos, für mein schlechtes Fahrverhalten, ist es noch nicht okay. Ganz okay. Für die meisten ist das dann ein super mega Auto. Auf der Piste ist natürlich kein Problem mit denen. Das ist das Tolle daran. Antriebsstrang, Differentialen, das alles ist halt, also haltbar, ausdauernd. Wie gesagt, lassen wir sie kommen. Wir haben ja Zeit. Wir haben viele andere Sachen zu machen hier. Der Gewinner, leider, ist ein Franzose und das ist der Herr. Ich habe ihn hier. Ich habe ihn schon ausgezogen auf Französisch, weil ich bin ja ein französischer Kanal. Deutsch kommt dazu. Herr Sebastian Grasser hat gewonnen. Wenn der Sebastian nicht innerhalb einer Woche, nachdem ich ihm gemailt habe, zurückschreibe, dass er das Auto will, oder wenn er es nicht will, haben wir noch die 90 andere Mitspieler da. Und wir werden es nochmal ziehen und es gibt dann einen anderen Gewinner. Nicht vergessen, es ist noch im Gang, das Spiel für den Traxxas X-Max. Der machen wir auch bald. Kommt danach noch ein Vatera Halix. Es kommt danach noch zum Gewinnen ein Charisma Subaru. Mindestens 5 oder 6 Tamiya Pistenauto und 3-4 Offroader, andere Marken Offroader, 1-10er, sogar 1-8er kommen noch zum Gewinnen. Sind natürlich alles Occasion-Auto, die ich geschenkt bekommen habe vom Kanal, die wir wieder gerade klopfen. Aber ideal für einen Anfänger oder für einer, der ein kleines Budget hat oder für einer, der ein Geschenk machen will, jemand, der sich nichts leisten kann. Und das ist natürlich das Schönste an dem Ganzen. Braucht natürlich Zeit. Ich habe viel mehr bekommen, als was ich dachte. Wir haben jetzt 30 Autos zum Bereitstellen. Ich schätze mal, dass dieses Jahr nicht alleine reicht, damit dass ich alles machen kann. Schön wäre es natürlich, eine pro Woche rausgeben zu können. Wir haben so viel Material bekommen, wie gesagt, dass wir die Autos dann, ursprünglich wollten wir sie kleine Preise machen. Dann haben wir so viel Material bekommen, dass wir sie umsonst machen können jetzt. Und wir haben sogar genügend, um Brushless da reinzustecken. Und ich habe noch von der Werbungskasse genommen. Die Werbung bringt ja den Kanal Geld und kostet niemanden was. Ich weiß, es ist langweilig manchmal die Werbung. Also schaltet sie aus, lasst dann die Playliste laufen mit der Werbung, damit Geld reinkommt. Weil das Geld haben wir benutzt, um Batterien zu kaufen. Ich habe 10 oder 20 2S 5000 mAh Batterie gekauft für die 1-10er. Wir organisieren auch noch, ich habe von vielen Abos Ladegerät bekommen, die sie nicht mehr wollen. Ich habe neu gekauft, die alten haben sie mir gesendet. Wir haben Funke bekommen, 2,4 GHz, wir haben jetzt ungefähr 10 Funke. Ich habe schon 6 oder 8 Funke selber gekauft für die Spiele mit dem Werbunggeld oder Verkauf von Kleinmaterial, das wir bekommen, das einer brauchen kann.
Jemand zum Beispiel hat einen alten Thunder Tiger, hat keine Teile mehr, ich habe ein Wrack da, hat mir ein paar Euro gegeben für das Wrack, haben wir ihm gesendet, das Geld haben wir verbraucht für so Sachen. Versand ist umsonst, wenn ihr gewinnt. Jungs, macht's gut, bis bald, tschüss.